Bonjour à tous, c'est Anako et aujourd'hui je vous retrouve pour le Resident Evil 8 The Village. Je sais que ça fait depuis le 7 mai 2021 que ce jeu est sorti, mais bon, je me suis dit que j'ai pas forcément fait de let's play sur des jeux d'horreur, et pourtant j'adore ça, les jeux d'horreur, donc c'est pour ça que quand même, comme je suis une grande fan de Resident Evil, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse au moins un let's play là-dessus. C'est vrai que ça fait un moment qu'il est sorti, il y a eu déjà plein de let's play, mais voilà, moi je préférais vous faire découvrir cela, donc c'est pour ça que pour moi c'était assez important. Voilà, donc c'est parti. C'est parti. Alors je sais qu'au départ ils ont lancé une démo, et puis ensuite le jeu. C'est parti. Village Resident Evil. On va mettre standard. Juste pour précision, je n'ai pas repris depuis le début ce let's play. Je le fais au milieu d'une partie à moi. Donc voilà. Alors moi je joue donc sur PC. Et en fait, il y a des portes comme ça dans le village, et où il faut rassembler différentes clés, des clés pour ouvrir justement ces portes. Des fois il faut les construire, ces clés, avec d'autres objets, enfin bref, tout un truc quoi. Voilà. Alors moi je suis une grande fan de Resident Evil, donc mettez moi en commentaire les Resident Evil que vous avez joué, que vous avez fait. Voilà, ça m'intéresse. Elle est pas flippante la poupée là. Alors, sachant que moi j'ai vraiment apprécié le passage où je me tapais avec Dimitrescu. C'était l'un de mes passages préférés d'ailleurs. Je trouvais que c'était super bien fait dans le château avec ses trois sœurs et tout. Donc c'était pas mal. Je pense que de Resident Evil, c'est l'un de mes passages préférés, on va dire. Tac. Et en fait, il y a différents boss à travers le jeu qu'il faut battre, tout en cherchant Rose. Enfin, Rose, c'est le bébé, quoi. C'est son bébé, Ethan, donc voilà. Ah, y a des poupées qui sont pendues, quoi. Super l'ambiance. Et des poupées démembrées, super. Moi, je suis pas trop fan des poupées comme ça là, c'est pas trop mon truc. Alors, voyons voir ce qu'on a là. Regardez, vous avez des petites chèvres comme ça sur lesquelles il faut tirer. Enfin, je sais pas s'il faut le tirer, bon après. Normalement, ça fait débloquer des bonus. C'est ça. Ouais. En fait, c'est des bonus qu'on peut débloquer en fait. Quoi ? Ah bah voilà. Ethan, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Mia ? Et voilà. J'hallucine de Mia maintenant. Ouais. Ethan,
Tu dois faire quelque chose. C'est quoi ce bordel? Je sais pas trop où est-ce qu'il faut que j'y aille. Ah non, je pense que... Tout le monde m'abandonne. Même Rose. Je ne veux pas être seule. C'est pas réel. Mais de quoi elle parle? Alors... Oh purée. Une sorte de cimetière là, entassé. C'est Benito, Benito. Oh. D'ailleurs, je sais pas. Donc, je pense pas que ce soit par là, mais je pense qu'il faudrait. Je deviens fou. Eh oui, tu deviens fou. Alors, une porte là. Il faut visiblement. Impossible d'utiliser ça. Abandon tes souvenirs. Bah, ça doit être la photo alors. Abandon tes souvenirs. Ouais, ça doit être la photo, je pense, de moi avec le bébé, Mia et tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on entre dans un endroit un peu lugubre. Qu'est-ce que c'est que ce truc là encore? Non. Oui. Non. Au secours! Je suis dans le noir maintenant. Pas flippant ce truc. J'ai horreur des ascenseurs comme ça. Viens avec moi, Ethan. Génial. C'est qui écrit ça encore? Ou c'est ça, j'ai hallucination. Soit il hallucine, soit je sais pas trop. On verra bien. C'est pas rassurant tout ça. Ouais, bon bref. L'ascenseur interminable, quoi. Trop long. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Là pour l'instant celui-là je peux pas le prendre, le trésor ça sera pour plus tard. De toute façon j'ai plus qu'à suivre le chemin. Hein. Le château. Ah la chute d'eau c'est pas mal hein, bien fait je trouve. C'est joli. Maison. Bon, en gros, je pense que ça c'est le deuxième boss. Oh, c'est joli. Avant de rentrer dans la maison, je vais quand même faire le tour juste pour voir ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a des trucs à ramasser. Non, ça se casse pas. Alors. Ah, la chèvre! Paf! Voilà, ça rapporte des points. Bon. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde juste ici. Bon, là, a l'air d'avoir pas grand chose. Je pousse ça. Oula. Il pousse fort. Bon. Qu'est-ce que c'est? Un truc. Quelqu'un fait de la couture ici. C'est pas rassurant tout ça. Non, c'est la maison. La maison avec la poupée normalement. Bah bah tiens, le tableau il est là. Sympa hein. Bref. Donc. Faut que. Non. Donc, peut-être ça se casse. Non, même pas. Ok, j'ai rien dit. Ça c'est fermé. Là, je sais pas. Purée, mais... C'est
encore un de ces labyrinthes là, je sais même pas où aller. On peut pas ouvrir. Ah, là il y a une porte ouverte et on peut pas rentrer. Génial. En gros, ça sert à rien. Bah alors là. Ok. Bon, je rentre là-dedans, on va voir. Ah, c'était pas. Ok. Non. Alors. Non. Bon. Il faut que je trouve un truc. Ouais. Donc ça sert à rien. Apparemment, tout ce qui est bleu, c'est ce que j'ai déjà fait. Tout ce qui est rouge, c'est qu'il y a des trucs à ramasser. Ça, j'aime bien en fait. Comme ça me montre si j'ai vraiment tout ramassé. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Bon. D'accord. Bref. Alors, ici. Ouais. En fait, tout ça, c'est bleu. Donc, normalement, il n'y a rien à ramasser. Bon. Voilà. Ouais. Ça mérite un coup de peinture ici. Ok. Le tapis, c'est sympa. Qu'est-ce que je faisais? Il n'y a rien. Ah. Bon, ok. C'est pas rassurant. Hall d'entrée. Mais pourtant, le hall d'entrée, je l'ai fait, non? Pourquoi il est rouge? L'hall d'entrée, c'est là où on était tout à l'heure. Je sais pas, peut-être j'ai dû manquer un truc. Je sais pas trop. C'est là le hall d'entrée? Regardez-moi ce tableau. Il est flippé, hein? La poupée. Lui, il a les yeux tout noirs. C'est une petite fille avec un petit chat. Bon. Par là. Non. Il y a peut-être quelque chose ici que j'ai manqué. Truc de fou. Une chambre vide. Bon. Ah, peut-être quelque chose dedans. Il n'y a rien. Ben dis donc, c'est tout vide ici. Il n'y a rien. Ok, une caisse qui sert à rien donc. Faut pas casser ça? Même pas. Ok, bon je m'en vais. Hein. Ça suffit. Alors, je sais pas, il y a une porte mais elle est bloquée aussi. Là c'est bloqué. Bon visiblement ici c'est bleu donc apparemment j'ai tout fait. Alors qu'est-ce que j'ai pas fait? Soul. Ok, et autre chose. Ah ben, il dit que c'est rouge. Peut-être en haut un truc. Non. Qu'est-ce que j'ai manqué? Il y a un truc que j'ai manqué, je sais pas quoi. Peut-être ici? Non. En tout cas, c'est rouge, donc il y a bien un truc que j'ai manqué quelque part. Bon, je sais pas. Ici, on avait vu que c'était fermé. Là, attends. Je sais pas, hein, qu'est-ce que j'ai manqué? Tiens, il y a un truc. Même pas. Bah alors, c'est où? Il y a bien un truc que j'ai manqué. Pas possible. Oh là là. Des fois, on met un an à trouver qu'est-ce qui nous manque comme objet pour que le lieu il devient bleu. C'est un peu frustrant. Bref. Par là. Je sais pas. On verra plus tard. Je sais pas. Ouais. Donc,
Il y a un ascenseur. Là. Où est-ce qu'on a encore raté? Là. Je sais même pas, je suis où là? Encore des tableaux flippants. Ok. Oh, yeah. Bon. Je vais aller par là. Non. Qu'est-ce qui se passe? Par là. Bon, c'est interminable le couloir là et tout. Des fruits moisis. Oh. Ah, il y a une porte en fait, je peux pas visiter. Mais tous ces livres, purée. J'ai passé des siècles à lire. Ah, il y a un livre là. Plante de montagne. Je pense que. Je sais pas, il doit y avoir un passage ou un truc ici, non? Je sais pas. Qu'il faut faire. Hein? Non. peut-être lancer un truc. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Bon. Ouais, c'est rouge. Pas aller par là encore, c'est fermé. Ouais, enfin là il me dit que normalement j'ai tout fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une musique là. Génial. Ok, cinématique. Où est mon arme? Ok, c'est quoi cette... N'importe quoi ça. Bref. Il me faudrait quelque chose en fait pour couper les bandages. Tiens, il y a un truc là. Son œil est bizarre. Mais alors... C'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Bon, attends. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, c'est verrouillé. Génial. Ah, on peut sauvegarder. Tiens, je vais sauvegarder. Et puis quoi alors? Il faut un code ici. Ouais, je suis pas prête de sortir de cette pièce, moi, là. Alors, bon, j'ai l'impression qu'il faut faire des trucs avec la poupée. Examiner le bras. Ah, je peux le dévisser. Ouais, je dévisse. C'est quoi ça? Oh. Ok. C'est chelou ça. Attendez, il y a d'autres trucs là à dévisser, je crois. Là. Retirer l'épaule. Hop. Ah, une petite clé. Une clé en argent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc là, non? Bref, continue. Il y a une bague là. J'essaie de retirer la bague. Ok. Bague couverte de sang. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres à retirer là? Tiens, le pied là. Allez, retire sa jambe. Tiens, une autre clé. Clé de remontage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Bon. Une clé, une autre clé. Une bague couverte de sang. Bizarre ça. Ouais, je pense qu'il faudra faire un truc avec après. Là, est-ce que la clé déjà, elle marche? Ouais! Alors. Tiens, de l'eau. Voilà. Ouais, il faut faire un truc avec l'eau. On va peut-être nettoyer la bague. Ouais. Voilà. Elle n'est plus ensanglantée. C'est maintenant une alliance propre. Il y a même un petit diamant dessus. Ah, il y a un chiffre là. 05-29-11. Tiens, ça doit être le code de la porte là-bas, je pense. Ok. Alors, attendez. Ici. Touk. Alors, c'était 05. Tac, 29. Et 11. Voilà. Parfait. C'était ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! La porte s'est ouverte tout seul. Ok. Ok, c'est pas flippant tout ça. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Attends, il y a un truc à ouvrir. Qu'est-ce que ça fait là? On dirait qu'il sait ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah! Je crois savoir ce qu'il faut faire. Ah oui, d'accord. Faut mettre avec les bonnes fissures là, je crois. Alors. Voilà, ça c'est là. Ça, ça va là. Tac, tac. Après, ça fait. Tac. Non. Non, je pense pas bien. Ça, ça, ça. Comme ça. Pas sûr. Et ça. On va essayer. Ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai mal fait alors. Non, c'est pas ça. Il y a un truc à faire. J'ai peut-être mal placé ce truc-là. Je réfléchis, mais bon. Ouais, ça doit être ça. Ça. Ça a l'air d'être correct. Yes! Des pincettes. Bon, j'ai l'impression que j'ai pas encore fini. Non. Alors. Ah! Ça s'est décroché, quoi. Tout seul. Alors. J'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à faire avec la poupée. Quelque chose dans sa bouche. Ouvrir la bouche. Tiens, tiens. La pincette va me servir. Ok, un morceau de pellicule. Tiens. Ah, il y a quelqu'un là. Hein. Voilà. Ouh. Bon. Les meilleurs amis de Rose, elle aime beaucoup cette histoire, ce qui compte le plus pour nous. Bon, alors avec tout ça,
Un vieux projecteur avec un conso de pellicule. J'ai l'impression que... Hop, on va mettre les pellicules. Ah, faut mettre dans l'ordre. Dans l'ordre de quoi? Ah, de ce qu'on a lu tout à l'heure. Ça m'a l'air bien. Là. Mais quoi. C'est quoi ça? Non mais. Ah, ça a ouvert un passage. Super. Ok. Cool, on a un petit passage avec des poupées flippantes. Ah, des ciseaux. Ah, yes, des ciseaux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez. Je pense faire quelque chose avec les ciseaux. Voilà. Oh, il y a encore quelqu'un qui est passé. Bon. Ah, ici je peux couper le bandage avec les ciseaux, je pense. Yes. Ça marche. Ah, ok, on ouvre ça. Médaillon, on les tire. Oula. C'est quoi ça? Bon. Ok, l'autre elle devient cinglée, on s'en va. Ok. Alors là, je sais pas ce que je dois faire. Ciseaux, on va couper ça. Ouais. Personne. Je pense que c'est ce médaillon là, non? On dirait qu'il manque quelque chose. Non, c'était pas ça. Bon, bah d'accord. C'est déverrouillé. Ah bah c'est là où j'étais tout à l'heure, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, il y a un truc que j'ai pas terminé encore. Ça doit être avec la poupée, je pense. Il y a un truc encore à faire. Attends. Je sais pas quoi faire. Attends. Est-ce que c'est pas avec l'œil? Il y a un truc à faire. Non. Je sais pas. Merde.
Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Bah alors j'ai dû manquer un truc. Je sais plus pourquoi. Non. Bah, qu'est-ce que j'ai manqué alors? Voilà, ça a l'air d'être bleu. Un autre truc, je sais pas, c'est quoi? Purée. Non, rien. Bon, je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que j'ai manqué? Peut-être un autre truc là avec la. Ah oui, voilà, médaillon. Tac. Changer de symbole. C'est pas ça. Voilà. Ah. Ça. Et là, c'était quoi? Voilà. Ah, ok. Bon. J'ai réussi à trouver un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que je m'enfonce? Oh, mais c'est noir ici, je vois rien. Un berceau qui se balance tout seul. Super. Et je dois descendre dedans, moi? Bon bah, j'ai pas le choix. Ah! Je suis dans l'eau. Oh mon dieu. Il y a des clés, tiens. Tableau électrique. Tiens, c'est la même poupée que j'ai décorée. J'ai analysé tout à l'heure. C'est quoi ce bruit? Bébé qui pleure là. Le berceau il est cassé. C'est quoi ce bruit? Franchement c'est pas rassurant là. Putain c'est quoi ces conneries? Je sens. Pourquoi t'es au noir là? Elle est où la poupée? Il n'y a plus de poupée là. Ok. Oh mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc dégueu là? C'est... Oh ah mais c'est dégueulasse! Ah mais il est horrible! Mais c'est immonde! Oh putain c'est dégueulasse! Ah! Ah mais c'est horrible! Ah je me sens mal! Faut que j'arrête de jouer! Oh mais c'est horrible! Oh je me sens mal! Ok, il y a un bébé dégueulasse qui me court après. Faut vite que je me casse d'ici. Oh putain mais non c'est pas ça! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Par là? Oh, mais c'est franchement... Ah mais c'est horrible! C'est quoi le bruit? Mais il est où? C'est pas possible! Mais attendez, un problème là. Ah oui, c'est ça. Allez, c'est déverrouillé. Ah bah voilà, le truc pour ouvrir la porte. C'était par là-bas. Purée, mais... C'est pas possible, hein. J'ai pas envie de le croiser moi. Oh non, il est là! Oh non, il est là! Qu'est-ce que je fais? On pourra pas rentrer ici, non? Il est parti.
Oh mon dieu, j'ai pas envie de le croiser moi. Mais il est dégoûtant. C'est dégueu. Oh. Ah mais c'est dégueu. Bref. Non mais c'est dégoûtant. Oh je me sens mal. Attends, donc ça c'était ici. Normalement ça pourrait... Où est-ce que je me suis fourrée? Oh, attends, je vais déjà voir là. Purée, non mais c'est pas possible. C'est quoi ce monstre là? Il y a rien ici. Non mais c'est quoi ce délire? Ah, il y a un truc là. Ah, c'est pour se cacher. Ok. Fusible. Mais pourquoi je suis dans le noir? Ah. Merde. Je vais me cacher, non? Je sais pas. Allez. Voilà. Il va venir? Je sais pas, ça fait flipper. Bon, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Je crois que j'ai tout fouillé ici, de toute façon. Il est où? Il est où? J'aime pas ce bruit. Oh, putain. Il me fait flipper, il me fait stresser là. J'espère qu'il va pas venir là avec sa tête. Oh mais c'est pas possible. Oh putain, j'ai flippé. Oh, oh c'est pas possible. Mais dégage. En plus il rit. Il rit de moi. Non mais c'est pas possible. Je vais me cacher. Je vais rester calme. Mais pourquoi il me poursuit? Non mais c'est pas possible. Je crois qu'il est rentré. Oh, j'ai peur de le regarder. Non mais c'est pas possible, il est rentré, c'est dégueulasse. Faut que je me casse. Je me casse. Non, 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 je cours. Horrible. Je me casse. Vas-y, je me casse. Merde, c'est pas par là. Par là, vite. Putain, il est dégueulasse. Vite, faut que je me casse. C'est par où, putain? Non, c'est par là. Putain, qu'est-ce que je fais? Non, mais qu'est-ce que je fais? C'est par là. Putain, mais j'espère qu'il... Oh, qu'est-ce que je dois faire? Faut que je revienne au tableau électrique, je crois. Vite! Putain, putain. Oh, putain, c'est pas possible. Oh, c'est dégueulasse. En plus, il y a ces boyaux par terre et tout. C'est dégueulasse. C'est par là. C'est par là. C'est là. Alors. Vite, putain. Voilà, vite. Oh, il va venir, dépêche-toi. Putain, fais chier, il est là. Fais chier. Putain, il doit être là. Qu'est-ce que je fais? Il me cache. Oh, elle fait vraiment. Putain, il est là. Dégueulasse. Va-t'en. Non mais laisse-moi tranquille.
Ok, donc Attends, non, vite, dépêche-toi, vite. Non. Attends. Bien fait. Oh, il y a de la morve et tout. Oh, c'est dégoûtant. Oh, ça me... Et il était dégoûtant, ce bébé, là. Ouf. Je l'ai semé, c'est bon. Oh, j'espère que je serai tranquille, là. Oh non, il y a une autre cinglée ici, là. J'espère, mais... Mais... Arrête de rire comme une cinglée. Elle est démoniaque, cette fille. Bon. Non, mais la poupée a les yeux rouges. C'est horrible. Ah oh bah tiens. Il n'y a que des poupées, là. Cinématique. Ne pars pas. Je te m'interdis. Ah, toujours en vie, hein. Dépêche-toi, vous êtes trop vite. Avant mes amis d'interdire. Tic-tac. Comment ça, essayer de me trouver? Faut que je cherche la poupée là? Putain, j'ai l'impression qu'il faut que je la cherche. Là, ce qu'elle peut être. Ah, elle est là. Elle m'a mordu, la salope. Le show sera tellement miserable si Rose... Saloperie. Non, mais c'est pas possible, là. Faut encore la chercher. Oh là là... J'ai l'impression que les poupées, elles bougent. Ouais, elle bouge, hein. C'est bizarre. Bref. Regardez, il bouge, là. Oh. Oh, c'est pas flippant, ce truc. Oh, j'aime pas cette ambiance, là. Oh, elle est où, cette poupée démoniaque, là? J'en ai marre d'elle. Elle est où, encore? C'est pas drôle. Oh, on dirait qu'il bouge de plus en plus tant que je ne l'ai pas trouvé. Et après, vous m'attaquez si je ne l'ai pas trouvé. Merde, elle est où? Pire en pire. Ah, elle est là. Fini déjà? Alors c'est ça le deuxième boss. Franchement, je suis un peu déçue parce que j'avoue que c'était un peu trop rapide et un peu trop facile d'ailleurs. Bien. Je vais arranger les choses. Par rapport à Dimitrescu, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça serait plus long, plus difficile. Il est temps de quitter. Un peu déçue. Bref. J'ai une clé bizarre. Ah ouais, c'est une clé embryonnaire. Hein. Je sais pas pourquoi. Ok. Avec le fœtus à 4 heures.
C'est elle qui faisait tout ça. Et voilà, le bocal, la jambe. Et de deux. Bon. C'est dégoûtant. Ah, je peux sortir. Voilà la poupée. En J. Bon, bref. Donc. Bon, bah, voilà, c'est terminé un peu rapidement. Un peu déçu. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était déjà super comme ça. Bah voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi et Resident Evil The Village. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé et à me dire aussi si vous y avez eu l'occasion de jouer, si vous l'avez terminé. Voilà, enfin, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me lâcher des commentaires, à partager mes vidéos, à liker. Ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, bah, j'espère vous retrouver prochainement pour mes autres let's play et vidéos. Donc voilà, bah, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!